Et bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta, où je joue l'initiative et où on cherche à profiter de l'arrivée des aliens. Pour ce faire, eh ben, on cherche à étendre un maximum nos différents pays, pour l'instant sur la planète Terre, tout en augmentant notre contrôle de l'espace. Alors, petit point sur la situation. Donc, j'avais terminé l'épisode précédent en lançant une attaque un peu d'envergure sur Taïwan. Ça, c'était une première chose, puisque Taïwan peut être revendiqué par les Chinois. Donc, je pourrais le récupérer directement. Donc j'ai envoyé des soldats américains à Taïwan. Et puis ben, j'ai le Pakistan qui est allié à Taïwan, qui m'a déclaré la guerre. Et donc je vais devoir défendre ma région d'Urumqi. Pardon. Voilà. Pendant ce temps, la Russie reste neutre. J'ai donc la Chine que je cherche à développer, dont je cherche à développer le gouvernement. Donc là, j'ai une agitation qui est un peu en augmentation. Donc je vais chercher à la faire diminuer. Le gouvernement, il faut que je le monte le plus rapidement possible. Pour ça, c'est à fond sur le savoir. Un tout petit peu d'unité pour arriver à conserver l'opinion publique. Voilà, mais la Chine commence à être correctement développée. Hein. Il faudra ensuite encore augmenter le PIB par habitant. Mais donc là, je mets tout au maximum dans le savoir pour augmenter le niveau de gouvernement le plus rapidement possible. Il ne faut jamais rester sur des valeurs intermédiaires, contrairement à l'unité. Et bon, l'unité, c'est toujours un peu plus. Moi, j'arrive pas à rester aux alentours de 5. Hein. En général, ça a tendance par finir par augmenter. On verra si là j'arrive à modérer un peu. En Russie, donc là, je cherche à développer l'économie d'une part et le bien-être. Hein. J'ai encore des inégalités qui sont trop élevées. Voilà, je pourrais même imaginer. Parce que j'ai pas loin de 20 000, faire en sorte. Hop. Je vais même faire un peu comme en Chine, mais cette fois-ci pour le bien-être, hein, faire en sorte que les inégalités descendent. Hein. Il faut que ce soit globalement en dessous de 3. En dessous de 3, c'est bon, au-dessus de 3, c'est moins bien. Et puis bah, ensuite, je ferai sans doute un peu la même chose qu'en Chine, c'est-à-dire booster le savoir pour augmenter la valeur de gouvernement en Russie aussi. J'ai la Finlande hein, dont je vais prendre le contrôle d'ici 40, enfin pas 40 jours, mais que je vais pouvoir me fédérer. Et quand je l'aurai fédérée, je pourrai la faire rejoindre la Russie. Bien-être, je n'ai pas trop besoin de le booster. D'ailleurs, ici, il est correct. Le PIB par habitant est tout à fait correct. Le niveau de gouvernement également et l'unité. Voilà, et puis aux États-Unis, je booste l'économie qui est déjà très élevée, ceci dit. Je booste le savoir pour que ce soit le plus élevé possible, et puis le militaire. Mais là, même chose, en fait, je me dis, avec 55 000, on atteint déjà des valeurs qui sont très très élevées. J'ai pas forcément vraiment besoin que ce soit beaucoup plus élevé que ça. Ce qui manque de toute façon, c'est la population aux États-Unis. Je peux continuer de booster le savoir, c'est pas un problème, mais le militaire, hein, c'est quand même pour la raison d'être hein, pour moi des États-Unis, c'est vraiment de me servir de base de. Ouais, si je vais l'augmenter un peu le savoir, histoire que ça arrive aux alentours de 9. Et à 9, je pense que je vais couper cette valeur-là pour rester sur que du militaire.
chaque pays a quand même vraiment son intérêt. Et les États-Unis, son intérêt, c'est le fait d'avoir la meilleure armée au départ. Et voilà. En Chine, hein, je cherche aussi à le développer, puisque je suis en train de travailler sur le combiné pan-asiatique, qui va me permettre d'avoir des revendications sur plein de régions complémentaires, y compris le Japon, y compris la Corée, voilà, et l'Inde aussi, je crois. Bangkok, enfin toute l'Asie du Sud, enfin une partie de l'Asie du Sud-Est en tout cas, la Russie, donc je pourrais même imaginer un moment potentiellement confédérer la Russie et la Chine. Voilà, et pour faire un pays somme toute sympathique. L'intérêt d'avoir des pays absolument gigantesques. Ça va être bah, d'une part de diminuer les points de contrôle nécessaires, et puis d'autre part, quand on fait une action conseillée, eh ben, on fait une action conseillée, non pas pour, là, non pas pour 1 500 000, mais pour, si j'arrive à regrouper les deux, bah, ça sera pour quasiment 2 milliards, voire plus si j'arrive à choper la Chine plus tard, l'Inde plus tard, voilà, c'est un peu l'idée. C'est d'optimiser au maximum la prise de contrôle. Et puis bah, si j'arrive à me libérer des points, bah, ensuite je pourrais imaginer aller chercher l'Europe, par exemple, ou bien d'autres pays qui m'apporteraient encore plus. Big is beautiful. Donc, Brieux est en train de conseiller la Chine, puisque c'est lui qui a 26, le maximum de science, il n'a pas encore tout à fait. Tu as fait de la pub à Taïwan, très bien. Dashus essaye de bloquer le projet Exode, sans doute. Citron essaye d'arrêter un alien, ça fait partie de mes objectifs. Et Adriel fait en sorte de diminuer. Adriel et Franz font en sorte de diminuer l'agitation en Russie. Il faudra qu'ils aillent en Chine ensuite. Allez, et puis on espère surtout qu'on va arriver à arrêter cette saloperie. Le Xenoform Alpha, ça fait partie de nos objectifs. Alors, réseau de défense hiérarchisé, Mercure. Stationport. Ok. Alors, peut-être aller voir ce que ça veut dire. Pour pouvoir du coup. Ouais. J'ai India. Ça, j'ai jamais fait encore. Ouais, je peux réparer, réapprovisionner India. Donc, pour imaginer ensuite le renvoyer ailleurs. Bon, on a vu que c'était pas absolument génial. Ça me coûtera quoi? Oh, ça me coûtera beaucoup trop. 1,4 de flotte, 1,4K. Donc, on va le s'aborder. India 2, est-ce qu'il lui reste de quoi partir vers Mercure ou pas? Non, il lui faudrait 16,1. J'en suis très loin. Je pense que je vais aussi le saborder. À moins que. Est-ce que autour de Vénus. Je crois pas avoir construit de stationport. Sur la station Cabot. Nano-usine ferme. Centre d'opération, réseau solaire, nano-usine. Alors, quand j'aurai construit ma nano-usine, je me ferai une autre station autour de Vénus pour d'abord développer tout ce que je peux, et puis pour avoir aussi un truc de construction autour de Vénus. Ok. Mercure. Et Mercure.
Alors, où est-ce que tu es, toi, du coup, en Chine? I will help them. Hop. Alors, là, son état arrivé. No more secrets. Hop. Allez. Ah, ça a dérobé. Eh ben, écoute. Dérobons. They got away. Oh, merde. The people will come to our side. Order is returning. Comme ça veut pas... Things are stabilizing. Je vais en laisser un. Alors, d'autres réacteurs. Ok. Oh, je suis en négatif carrément ici. Sur Mars. Est-ce que j'ai tout en T2? Non, j'ai pas tout en T2. Celle-ci en T2. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, ouais. Mes principales bases avec sont bien déjà en T2. En métaux nobles. Dans l'idéal, il faudrait que j'en mette un maximum en T2. Mais pour ça, il faut que je puisse... Est-ce que j'ai des nano-usines déjà opérationnelles dans le coin? Ça ressemble à des nano-usines opérationnelles. Donc, celle-ci par exemple, il y a pas mal d'eau, il y a un peu de métaux, des deux types. Est-ce que je pourrais imaginer la développer? Ça me coûterait depuis l'espace. Oui, je pourrais le faire. Ça me coûterait pas grand chose. Je pense que je vais développer tous mes habitats autour de Mars. Donc là c'est en cours de grade. Ici. Parce que ça, je peux le faire sans trop de difficultés. Ça me coûte juste du contrôle de mission, mais du coup, ça, je peux en faire. Comment ça pourra en faire? De toute façon, c'est simple, hein, toutes celles où j'ai de la défense. Ça, c'est mes stations. Ok. Le Pakistanais va arriver, il va sentir passer sa douleur. 3,9. Ouais. Je pense qu'il va pas trop comprendre ce qui va lui arriver. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mes conseillers? Dashus.
Il va aller me défoncer. We're going in. At your service. Franz. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, merde. Alors, à Kharkiv, je peux envoyer mes armées. Il y a Dallas aussi. Très bien. Ok, donc Franz, je peux l'utiliser à autre chose. À savoir... faire baisser un peu la pression. We'll restore peace to this nation. En Chine... Where to? Oh, ça me saoule que j'arrive pas à le choper. Ah, attends, j'avais aussi... ah, voilà. Là, je peux augmenter... l'unité de protection, chercheur de données... Je peux augmenter ton administration pour passer à 25... Est-ce que j'aurais pas, par hasard... ah bah si, tiens. Tout ce qui donne de... l'investigation est bon à prendre, là. Hop. Allez, je l'aurai. Je l'aurai. Oula, 41. Qu'est-ce que je peux te donner, toi? Alors, t'es à 20 plus 8. Le 8 en question, c'est 4 ici. Que je vais garder pour le plus 3 d'espionnage de toute façon. Et 4 là. Celui-ci est un peu moins bon, mais il est tout à fait correct. Tout de même, je vais remonter son commandement. Et je vais continuer de l'augmenter avec un peu de cybernétique. Investigation, c'est déjà pas mal. Ouais. Et encore du commandement. Alors... Toi, t'es à 25. Ouais, j'augmente ta sécurité. Tant t'es à 25, mais est-ce que t'as pas des trucs qui te boostent ton admin? Non. T'es à quoi? T'es à 16 plus 13. Oh. Ouais, plus 6 ici. Et plus 7 là. Oh, mais en même temps, c'est pas vraiment des organisations que je vais enlever. C'est un peu con. Je vais augmenter ta sécurité. Hop. Investigation, sécurité. Ok. Voilà. Pardon. Offering counsel. Alors, Kharkiv, attaquer la cible de l'extraterrestre. Même chose à Dallas. Des projets pas fondamentaux, mais espèce de vie d'habitat. Oui. Alors celui-ci, je vais le maximiser. Donc je vais pas rechercher un autre projet dans cette branche-là. J'ai rien en militaire. Si. Guerre cross interface.
Ah oui, alors je peux donner un maximum de... Oui, c'est vrai que je peux aussi... Ouais, j'ai deux très bons... Ça me permettrait d'aller chercher un maximum de régions en Europe. Moi, celui-ci, il faut que j'aille le... Je veux pas... Je veux pas tant que je suis sur la recherche panasiatique, mais... Je veux pas. Mais bon, on va aller chercher d'autres... Bah tiens. Ça, par exemple. Des projets de défense pour les... Pour les batteries de... Hop, Taipei. Très bien. Alors, on va faire en sorte de ne pas perdre... Ah, capture, ça y est. Il est impossible d'exprimer ce que cela fait de poser les yeux sur une créature venue d'un autre monde. Aucun mot ne suffit à décrire la sensation troublante de le voir bouger, respirer et braquer ses propres yeux incontestablement différents sur nous. Même si nous avions un poète parmi nous, il n'aurait pas été capable de transmettre cette sensation merveilleuse et anormale à la fois. Le terrifiant privilège de poser le regard sur quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qui compose l'expérience humaine. La forme de son crâne massif, les vrilles dansant de façon étrange dans sa bouche, la façon dont la lumière joue sur sa chair et la texture, sur cette chair à la texture et aux motifs différents de tous ceux qui existent sur Terre. Même les sons produits par ces êtres défient notre définition du langage. L'idée que l'on puisse comprendre ce qu'ils pensent semble, pour l'instant, franchement risible. Espérons que cela changera vite. Oublions les rencontres fugaces que nous-mêmes ou d'autres avons eues par le passé. Peu importe ce qui se passera ensuite, cet instant est un tournant décisif qui restera dans les annales. Objectif atteint, nous avons complété l'objectif, capturer une hydre vivante. Hydre, c'est le terme attribué à ces créatures. L'hydre a été localisée et appréhendée par notre division sécurité, qui s'est encore une fois distinguée. Malheureusement, les serviteurs des hydres ont eu connaissance de nos actions et ont rapporté aux hydres que nous avons fait un prisonnier, ce qui est pour eux un blasphème. Il est de plus en plus clair que toute solution à long terme au problème posé par les hydres échouera tant que la faction des serviteurs restera active. Bah ouais, c'est pas nos potes les serviteurs. Voilà, donc il va falloir maintenant qu'on apprenne à communiquer avec cette bestiole. Bien. Chance de réussite 76%. Pas encore gagné. Nouveau projet disponible, communiquer avec l'hydre. Eh bien, je vais directement. Tac. Plutôt que d'aller chercher batterie de laser moyen, qui est certes une bonne technologie, mais pas la plus importante. Je vais tout de suite aller chercher ça. Je vais mettre entre. Projet en favori. Donc là, il faut surveiller ce qui se passe, s'assurer que. Public opinion is moving in our direction. Things are cooling off. Il n'y a pas du tout 50 000 pop-up qui m'emmerdent. Things are cooling off. Station Magellan, ok. Tac. Il est passé T2. Pas bien. Donc la seule chose, c'est que j'ai besoin de métaux, comme d'hab. On avait vu qu'on était un peu coincé à cause de ça. Donc pour l'instant, je vais juste les laisser comme ça, j'ai pas besoin d'aller en chercher. On voit que en ayant capturé un alien, en se développant dans l'espace, hein, j'ai de plus en plus de points de contrôle de mission qui sont pris. Plus la capture, ça fait monter les enchères.
on va dire, et les aliens n'aiment pas trop ça. Alors, ici c'est toujours bon, 82%, ça fait faible. Normalement, je devrais arriver à le descendre avant. La 8e a échoué, on va commencer. Hop, les Pakistanais ont été détruits, très bien. Tac, la Corée du Sud sous contrôle de la résistance a déclaré la guerre à la Syrie. J'ai demandé une pause. Bien. C'est bon, je peux. Voilà. Le Pakistanais s'est fait défoncer la tronche. Toi, tu retournes à Shanghai. C'est ici. Toi, tu retournes à Kunming. C'est ici. Et toi, tu retournes à Pékin. C'est ici. Ok. Est-ce que... Attends, je vais retourner sur Mercure un petit coup. Hop. Mercure. Est-ce que je peux construire mes... d'autres stations? J'ai bien des nano-usines en fonctionnement, non pas encore. Pareil, je vais attendre d'avoir des nano-usines en fonctionnement. Zone d'opération, oui. Nano-usine. Alors, juste, tiens. Quand est-ce que je vais être en mesure? Oh, pas tout de suite, hein. Il faut beaucoup de métaux. Module d'habitat. Pas justement. On avait dit qu'il y avait besoin de beaucoup de métaux. Réseau solaire sur Mercure, complexe minier. Ok. Alors. Donc normalement là, j'ai quasiment pris le contrôle de Taïwan, ça ne saurait tarder. Alors. Là j'ai du monde de dispo. Citron, tu vas pouvoir aller analyser ce qui se passe là. Ready for my mission. Oulou. Heading to the LZ. Reporting in. Alors, toi, tu vas plutôt aller se calmer les ardeurs en Chine. We'll restore peace to this nation. Et France, tu veux aller au Tchad. Gear up. Il y a de la plante à défoncer. Échoué, mais ce serait bien si tu réussissais, Coco. Ah si, là t'y arrives. Okay. Hop. We've moved the needle. Ok. Quand je vais prendre le contrôle
de Taïwan. Voilà. La Chine prend le contrôle de la région de Taipei. Ok. Conservera un droit sur la région. Très bien. Nouveau point de contrôle. Alors, toi, tu retournes à Los Angeles. Toi, tu retournes à Atlanta. Toi, à Seattle. Toi, t'es bien au bon endroit. Et toi, tu retournes à Dallas. Ok. Donc, alors du coup, ça augmente la subversion, toute logique, sur l'opinion publique, ça augmente les inégalités. Donc, j'ai laissé quelques points sur les inégalités quand même. Je suis juste. Je vais faire ça. Hop, voilà. Ça me donne des points de contrôle de mission. Hop. Ça m'a même fait augmenter la technologie de mon, militaire de mon peuple. Échoué. Oui. Bah écoute. Order is returning. Eh oui. On va commencer. Je m'en fiche. Bon. Il faudra que je la supprime. J'ai pas besoin d'avoir une armée de plus en Chine. By the numbers. Ok. Target secured. We found something. Stress dû au travail d'Achus. Cœur Bichley souffre des séquelles dues à des années de travail. Les mécanismes de défense sont leurs limites. C'est triste à dire, mais d'Achus n'est plus la même personne qu'il était lorsqu'il a rejoint nos services. Alors, développer des tendances actives et hédonistes. Obtiendrait accro et dépensier. Finit par en avoir assez, agit maintenant à sa façon, conformément à ses habitudes. Alors, autorisé lorsqu'un collègue obtient le trait inflexible, ou bien changer de personnalité au cours des années. Il perdra son trait effronté. Et on en obtiendra un autre. Alors, qu'est-ce que t'as d'achus pour l'instant? Dis-moi tout, c'est quoi effronté? Ouais. Ça fait quoi extrêmement... Ouais, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On verra. On va tenter celui-là. Ah, du coup, tu me dis pas ce que t'as eu à la place. Ah bah tiens, il a chopé effronté. C'est bien, ça. Ah. C'est bien, il a perdu effronté pour regagner effronté. Moi, ça me va, ce genre d'event. Tac, les cultures extraterrestres a réduit les forces de la... Très bien. Ok, ok. Rostov. Ouais, je m'en fous d'ailleurs. Je m'en fous. Tac. Alors, bah d'ailleurs, tu vas tout de suite me la supprimer. Et hop.
Ah non, attends, avant ça, est-ce que je peux pas par hasard? Non, je peux pas encore faire intégrer. Placer dans combien de temps? Aucune politique ne peut. Tiens, je peux pas le faire intégrer. Peut-être si. Comment se fait-il que je puisse pas faire intégrer le conseil par quoi hein? Union Eurasiatique, 28 février 2031. Peut-être qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas alliés. De toute façon, il faut l'attendre le 28 février. Bien, donc tu vas définir une politique nationale ici qui sera de supprimer une armée. Ready for my mission. What's the op? Hans Kruger. Thaïlande, Mexique, Mauritanie, Nouvelle-Moyenne-Guinée. Tout ça, je peux pas y aller. Taking it to them. Hop. Standing by for them. Citron, tu vas également aller me diminuer l'agitation en Chine. We'll turn down the heat. Et Deschus, tu continues. Hop. Gear up. Ah merde. Mon plan Chine et États-Unis à blindé. Acknowledged. L'armée s'attendra un tour. Securing our interests. Where to? Là aussi. Protecting our interests. Est-ce que j'ai bien mis en rival le Canada? Oui. Donc je vais pouvoir quand même tôt ou tard aller compter fleurettes au nord. Offering support. Securing our control. Securing our interests. Ok, bah. Hop. Orbite de terre basse. Bien. De toute façon, je peux pas y faire grand chose puisque j'ai pas encore déployé de l'essor. Alors, gérer. Ok, donc j'ai tous mes cœurs qui sont passés en T2. Et du coup, je vais pouvoir les améliorer. Ça me prendra 80 jours. Alors, je vais aller chercher ceux qui m'apportent le plus de métal quand même. C'est quand même un peu macré. J'aurais presque intérêt. Attends, là c'est 47, 53, 53. Et autour de mars. 9,815, oui, clairement, en métal, c'est plus intéressant. Autour de Mercure. Alors, changement de plan. Mais j'ai pas de quoi le construire parce que ça coûte trop cher. Ça, ça me coûterait 161 pour le T1. Ouais, je vais peut-être commencer comme ça en fait. 60 jours. Attends, celui-ci apporte 47, on avait dit, les autres 53 ici et 10,9. Plus de métaux nobles aussi. 161, je peux en faire 2. Things are stabilizing. Hop, on commence. Eh ben lui, pour
notre pulseur à particules, on va le mettre en favori. Réseau de défense hiérarchie, ok. Sur Mercure. Score 1 for the good guys. The LZ is secure. Nano-usine autour de Vénus. Très bien. Donc j'avais dit avec ma nano-usine autour de Vénus. Je... Je voulais me faire une autre station. En orbite basse. Hop. Avec au moins un spatioport, ça coûte combien? 31. Et de l'énergie. Ça coûte combien d'énergie? 6,4. Ok. Je vais en faire deux du coup. Hop. Le jour où je me construirai des vaisseaux, je serai content de les avoir. Pour l'instant, faut pas trop énerver les aliens, donc faut pas construire trop de vaisseaux. Peut-être que d'ailleurs que vous demandiez pourquoi est-ce que je ne faisais pas. C'est l'explication. Allez. We're going in. Celui-là. Ready to go. Standing by. Est-ce que je pourrais pas aller demander? À l'académie, même si c'est pas franchement des potes. Est-ce que ça m'intéresserait de choper je pourrais échanger des métaux. Making ça contact. Pourrait être une idée. What's the op? Where do you need me? Ah, en commandement, c'est pas terrible ça. Donc toi, tu vas heading to the capital. Faire sauter ready for my mission. L'armée dont j'ai pas besoin. Et toi, non, toi tu vas aller reaching out. Aller causer au ready à l'académie. We'll make things safe. Si on va continuer de diminuer l'agitation. Lending my expertise. Alors. Making contact. Et tu we pas will me save our métal. World, even as you thoughtlessly plunder. Bon. Sans trop de surprise, il est pas super pote avec moi. Bon. Tu veux pas que je te le donne? Comme ça. Ah si. Et si je t'en donne un, t'en veux pas, mais si je t'en donne deux, tu veux bien. Tant pis. Tant pis. Il vaut mieux que je sois pote avec l'humanité que... Alors que c'est sur eux que je tape essentiellement, mais... C'est pas grave. Ouais.
Je vais pas... Violence is abating. Je vais pas vraiment être pote avec We were unable to increase security. Je vais pas vraiment être pote avec l'académie, je vais leur... quand je vais aller leur prendre le Canada. Mission complete. Hop. Démanteler une armée. Tac. Je vais même peut-être en faire, je vais juste en garder 3. Target destroyed. Ok, nickel. Alors. Et ben même, est-ce que ça pourrait pas être l'occasion? D'aller s'installer. Au Canada. Qui n'a pas toujours rêvé d'aller se balader au Canada. Hop. On va donc demander à Ita. Heading to the capital. Where to? D'aller, de lancer une déclaration de guerre. Alors, ils sont alliés avec qui? Avec le Japon. Et Israël. Le Japon n'a qu'une armée. S'il veut venir, qu'il y vienne. Hop, Dashus. Tu vas me faire ça, Adriel. Where do you need me? Eh ben, tu vas aller faire un peu de pub au Canada, justement. Ouh, aux États-Unis, ça a baissé aussi, là. Et Francis. Alors, plutôt, c'est Franz qui va aller faire la déclaration de guerre. Time to make a move. Et Ita. Where do you need me? Une petite campagne publique. Story. Aux États-Unis. Offering support. Hop. On se déplace. Réseau de contrebandiers. Alors, on nous signale que, la contrebande serait amenée à bord de la station Cabot. Étant donné autour de Vénus, étant donné que, plus de gens vont maintenant dans l'espace que jamais auparavant, cela ne devrait pas nous surprendre que quelques-uns en profitent pour emporter les narcotiques et autres marchandises indésirables avec eux. Cela a déjà provoqué un relâchement du niveau de sécurité et de l'entretien à bord. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer ainsi dans un environnement aussi dangereux. Alors, je peux dire, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour enquêter là-dessus pour l'instant. Ouais, ça fait détruire des... terribles. Si j'ai plein d'administration, je peux imposer le protocole de contrôle plus strict concernant les marchandises du personnel potentiel de l'habitat. Points d'investissement nationaux que nous attribuons à la priorité de propulsion. Diminue de 25% pendant 6 mois. Renforcement, c'est pas mal ça. Enquêtons discrètement sur la question. 59% déverrouillé. Mon boost. C'est quand même pas très très grave si je. S'il est diminué, par contre, si je réussis à augmenter mon opinion, c'est bien. Et ben voilà. Public opinion is moving in our direction. Public sentiment is increasingly with us. Order is returning. On recommence. Every time we build walls instead of bridges, we move further away from peaceful coexistence. Commissioner Karen Banerjee speech at the United Nations. Très bien, donc c'est un nouveau système d'armes.
Policy direction complete. Hop, on démantèle une autre armée. Tac. Prepping for next mission. Mission complete. Et c'est sur cette déclaration de guerre. Ah zut, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, tant pis. C'est sur cette déclaration de guerre là que je vais arrêter cet épisode. Prepping for next mission. Nous verrons au prochain comment ça se passe. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.